C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons vous pour cette émission Tu l'écoutes. Et pour cette 25e journée, et bien sûr, nous avons fait un détour en arrière, ce qui nous passait un petit peu lors de la 24e journée, quand nous avons trouvé une grosse surprise dans l'épreuve fort. Split the Breeze, il renoue avec le succès, il domine, mon favori de la course, profite pleinement de ce 52 kg. La bonne monte de Vikram Sola, il vient dame le pion à mon favori, et Split the Breeze, tu offert à la côte généreuse de 49 contre 1, c'est un bookmaker 79 contre 1. Devine renverse les pronostics au grand bonheur de son entraîneur, au grand bonheur de ses propriétaires et aussi au grand bonheur de son ex-assistant-entraîneur. Je vais vous dire ex-assistant-entraîneur, c'est Ravi Rawa qui s'est occupé à Floréal, qui malheureusement par la suite est démissionné dans ce poste. Nous finissons là aussi une arrivée qui quand même pas de l'estime insensible la semaine dernière, une arrivée dans un mouchoir, une superbe course de Robbie Frad sur Captain Span Diesel. Une ligne droite exceptionnelle entre Van der Merwe et Robbie Frad, Captain Span Diesel, Newsman. Une course vraiment qui un régal pour les yeux. Même les partisans de Newsman, ils applaudissent Robbie Frad à sa rentrée. Nous finissons vivre un 100 derniers mètres exceptionnel. C'est maintenant la ligne droite comme ça qui public apprécie. C'est ça qui fait la beauté du sport. Robbie Frad, c'est un vétéran dans le game. Et combien efficace, combien intelligent et combien puissant au finish, ce fut une super course. Mais attention, maintenant seulement sa jolie arrivée là, finira aussi ben, les courses qui nous laissent nous un goût très très amer, mais pas qu'à passer ça sous silence. Le finira surtout la dernière course de la semaine dernière qui nous laisse un goût amer aux professionnels, aux tueurs-fils. Ben, les courses comme ça, qui vous comprend, qui parfois est très décourageant, quelque part il y a une insulte vis-à-vis de ça, public tueurs-fils là. Parce qu'il connaît, et souvent nous y a dit, il y a des courses, il y a une défaite qui est acceptable, qu'on comprend, il y a des circonstances, des courses qu'il comprend, mais quand on trouve certaines montres médiocres, surtout certaines montres scandaleuses, et on est à la barbe de sa public qui fait confiance, qui met ce petit casse-là, et donc, il ne faudrait pas nous perdre, il ne faudrait pas nous hésiter pour nous dévoiler ces affaires-là, il ne faudrait pas nous perdre pour nous crier face à cette injustice-là, parce que vous connaissez, les courses, c'est une industrie, c'est une la chaîne, où il y a un propriétaire qui investit, où il y a un entraîneur qui fait beaucoup d'efforts, mais où il y a le public qui investit sur les temps et sur l'argent pour faire l'industrie cela rouler. Et donc, c'est une la chaîne. Donc, je suis content et prends ça dans le public là pour donner un don de la force. Jamais nous ne sommes pas associés nous avec eux. Nous sommes toujours là pour critiquer quand bien apprécier les affaires, bien sûr, nous là, premier pour applaudir. Les courses vont nous dire comme la deuxième de la semaine dernière. C'est avec beaucoup de plaisir qu'ils m'accueillent sur le plateau deux jeunes pour cette 25e journée. On a Anish et Jonathan, deux jeunes qui adorent les courses, qui suivent les courses, qui comptent analyser, qui comptent partager de bonnes idées, de bonnes analyses sur les réseaux sociaux. On suit eux de loin, de près. C'est des jeunes qui sont vrais passionnés avant tout. Ils sont contents de les courses. Ils font partie de la jeune génération. Et donc, pour moi, c'est une occasion en or aujourd'hui. Permettez à ce jeune-là de venir analyser ensemble avec moi, nous décortiquer cette 25e journée. On commence par Anish. Anish, on déjà participe dans l'émission TF+, quelques années de cela, pas nouveau, mais une première participation dans Tio les courses. Bonjour Santosh, je vous remercie pour cette occasion pour venir à Tio les courses. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir la chance d'être sur ce plateau-là. Et je remercie aussi toutes les chances que vous m'avez données sur Fans of Turf Plus et tous les conseils que vous m'avez donnés. Et j'espérais pour les autres qui gagnent l'occasion pour venir, pas hésiter pour envoyer un petit message sans touche ce soir. Je suis sûr qu'on aura un bon response par rapport à ça. Jonathan aussi, on atterrit dans l'émission par rapport à un de nos camarades en commun, un camarade aussi à moi, c'est le jeune Enzo Carozin. Il me dit à moi, prends Jonathan comme invité, amène-le, analyse bien, donne-lui sa chance, il a envie de venir à notre plateau. Et Jonathan, mon apprend aussi, qui rêvait d'être consultant épique Enzo, a envie de faire un PAC dans sa domaine-là. Yes, bonjour Santosh, puis moi avec Enzo, on a une bonne amitié tout le temps, quelqu'un qui se tenait à moi.
qui tout le temps dit moi oui, moi j'ai un potentiel, qui m'a vraiment venu un consultant par après. Mais pour moi, c'est un immense plaisir d'être là sur le plateau. Et moi, je suis gagné une chance depuis assez longtemps que moi, je suis en vie performe dans une émission des courses. Mais pour moi, c'était un grand plaisir pour là pour essayer Edmond Chevis pour mon analyse. Et donc, sans plus tarder, nous tournons vers cette 25e journée. Quelques petits détails. Pas oublier qu'il y a une force race à 4 mètres des bases intérieures, c'est-à-dire pratiquement 21 mètres en plus. Force race à 4 mètres. Et nous, il y a aussi quelques jockeys qui peuvent purger une bonne suspension. Ramsamy Papouansel, bande de nuit, ce deuxième et dernière semaine de suspension. Et Cédric Séjon aussi ne sera pas de la partie, vu qu'il peut suspendre pour bonne interférence. Cette 25e journée, l'épreuve fort pour déroule sur 1600 mètres de l'Express Turf Trophy, réunissant les chevaux avec un benchmark de 61. Dans cette course-là, nous prenons 9 partants. Nous avons le 9 Kings County qui peut nous défier un benchmark 61 après une victoire dans 41, puis monte pratiquement 4 classes. Pour venir taquiner un coursier qui a déjà fini peut-être faire cette preuve dans une classe pareille. Mais Kings County, c'est un jeune coursier de 4 ans, très très prometteur. La dernière fois, il domine As You Please, il domine un lot assez moyen dans 41. Juste avant ça, il échoue face à un certain Perplexing d'un 30+, ultime championnat des 4 ans. Ça joue là, il a failli surprendre Perplexing. C'est là qu'il commence à ouvrir nos lisiers, le King's County, surtout avec la peau des Sidewinkers qui finit dans l'effet très positif de sa coursier-là. Coursier-là, la dernière fois, il remporte une victoire aisée, même si il y a une pression de la part d'un coursier qui tient à l'extérieur, qui peut insister pour le contre au coursier-là, il montrait beaucoup de maniabilité, beaucoup de maturité, ça joue là. Quand il settle dans les courses, et quand ce joker au bifra, il demande ni manzé faux, il sprintait merveilleusement pour remporter un victoire facile. Mais là, il peut venir dans 61. Est-ce qu'il est dans l'étoffe, mais il y a un coursier de 61? Si l'entraîneur Gilbert Roussette et son assistant Souda Sissaran décident pour mettre dans 61, c'est qu'ils ont croire dans sa coursier là. Sa coursier là, il pourrait dans 53 kg sur les deux, vu qu'il au bifra, pas pour qu'il remonte à 52,5. Nous fait un petit détour en arrière en Afrique du Sud, nous guette un coup. Qui bon chevaux qu'il a affronté? C'est un coursier qui ne saute troisième d'un listed race. Il a battu avec Surcharge, qui est un très bon cheval. C'était dans les courses 150 000 runs. Ce sixième sortie de sol sud-africain, démontré au qui, même en Afrique du Sud, en fin de carrière sud-africaine, là-bas, avant qu'il débarque Maurice, il s'y dévoile un potentiel contre un bon coursier. Donc, avec seulement 53 kilos, pas capable de sous-estimer Kings County, qui est capable de faire la différence. L'entraîneur, l'assistant-entraîneur, l'entourage, le jockey Robifrad, je connais ce potentiel. Vous pensez, je prends sa pari osé là. Fabien, il y a aussi championnat qui est en jeu. Stakes Money, une des courses principales, très conséquent. Il pèse lourd dans la balance. Je dis ça dans mon émission précédente. Donc, il ne faut pas sous-estimer Kings County. Il n'est pas étonnant qu'il remporte le succès, même à ce niveau. Bon danger, Easy Lover. La dernière fois, un parcours un peu long pour ses aptitudes, il n'est pas démérité face à Moonrise Sensation. Définitivement, il est pour mieux l'outil, il est pour plus percutant, 2600 mètres. C'est un sujet valable. Dans mon classique, ici, il n'est pas démérité en 2017, il démontrait qu'il est une bonne qualité. Mais là aussi, dans les courses, ça, Dubé Snappy, qui mérite mieux qu'il a démontré la dernière fois, il est en progrès au niveau de ses conditions, au niveau de son travail. Pavillé de 600 d'écurie, sa première sortie sous ses nouvelles couleurs, peut-être qu'il a besoin d'une période d'adaptation. Quand le cheval sans d'écurie, Pavillé, beaucoup d'affaires qui sont changées, nourriture changée, l'environnement changé, se demande un petit temps d'adaptation. Dubi Stampy paraît très bien dans ce lapo. Il ne faut pas sous-estimer Dream Forest, qui n'a pas fait une course ridicule dans Médène. Une course ridicule, un sprint, le train parti vraiment à sa convenance. Il a battu seulement 4 longueurs avec Enad. Mardi, quand il travaille en compagnie de King Mambos Degessi, il nous donne un aperçu de sa forme actuelle. Il est bien encaissé sur les courses dans Médène. Attention à Dream Forest, qui est capable d'upset the odds. C'est un coursier qui est très très bien dans ce lapo. Kings County, Dream Forest, Easy Lover et Seven Fountains pour mon top 4 dans cette épreuve, c'est-à-dire l'épreuve forte de cette 25e journée. Anish Molesou pour analyse et bon choix. Et pour moi, pour la sixième course, je vais mettre Kings County en première position. Qui fait parce que j'ai Gilbert Roussette, les maris estiment ça sur là. Pour prendre une décision pour mettre dans benchmark 61, c'est qui bien croire sa chance. Et en deuxième position, vous mettre To Be Snappy, qui pour bien caler le bord avec ce premier ligne. Et en troisième position, Dream Forest,
qui est pendant démérité dans la course de Médène. Et en quatrième position, Brilliant Crimson. Et où, Jonathan? Moi, dans cette course-là, je vais faire un favori, Kings County. Pour moi, c'est l'entraîneur Gilbert Rousset qui a mis dans la quatrième course. Mais nous connaissons que le championnat a été la lutte bien serrée entre les gagnants de Ligue Rousset. Il me préfère mettre dans la sixième course. Je pense que Mana Kunso potentiel, je vais mettre à la première place. Dernière place, Denson Air, qui montre une bonne vélocité la dernière fois. Je pense que Bubba Excited dans les courses-là. Et à la troisième place, Stream Forest, qui galope très bon les courses dans Médène. Mais peut-être le seul bémol est la transition, 2416 mètres. Et à la quatrième place, mon place de Bisnappi. Tournons maintenant vers la première course de cette 25e journée qui vous déroule sur 1400 mètres avec des chevaux ayant un rating de 0 à 25. Dans les courses-là, Anton Raskin peut profiter de sa forme. Il peut retourner pour la deuxième semaine consécutive. Il réussit Beat the Jinx la semaine dernière grâce à la bonne montre, la montre très intelligente de Jamia Leosen qui fait la différence au finish, même si à un moment Pimpernel si votre libé d'assent, mais c'était dans 0,25. Là, il peut venir dans 0,20 la semaine dernière. Là, il peut venir dans 0,25. Il peut venir contre le meilleur coursier. Coursier là, il est aligné à nouveau, vu peut-être qu'ils sont en train de trouver qu'il est très bien en caisse sur les courses. Il peut profiter de ce forme. Première ligne, c'est sûr que c'est un avantage pour lui, mais on répète d'autres qu'il a réalité en 0,20 qu'en 0,25, il n'est pas pareil. Il peut venir contre le meilleur coursier. Toutefois, il est dans sa chance, mais la prudence est de mise. Dans ces courses-là, il n'est pas sous-estime Opportunity. Un coursier qui réalise un eye-catching run sous la selle de Sunil Bandhu la dernière fois. Beaucoup de surfaces pensaient qu'il quand même fait la différence. Et ce jour-là, le coursier-là a continué à progresser. Il y a un entraînement bien méthodique. Au passage, nous vous avons salué la superbe prestation de l'écurie Pritam Debi la semaine dernière avec un brillant triplé. Donc, les chevaux de l'écurie Debi sont en forme. Attention à Opportunity. La course de référence, c'est ce prestation sous la selle de Sunil Bandhu la dernière fois. Mon point cœur dans les combinaisons Klopp, qui me trouve révigoré ces derniers temps. C'est un coursier qui peut venir nous offrir cher. Une tour du travail mardi, c'était en compagnie d'Alfie Renzi. Il démontrait beaucoup plus calme, beaucoup plus appliqué ses mancini positifs. Si Klopp, dans un bon jour, avec la peau d'un hood, sans les blinkers cette fois-ci, attention à Klopp, c'est un coursier très valable dans 0,25. Et pour compléter le tiercé, on rajoute le 2. From the Ashes, qui gagne les courses facile la dernière fois, mais qui t'y peiné dans les derniers mètres. Mais ça joue la motif un tiré marque pour Souli, très, très, très nerveux avant qu'il y ait intégré dans une boîte. Peut-être ça t'y néfaste Souli, coursier là, définitivement, il profite de sa run là, il paraît bien dans ce lapo. Donc la première, quand même, il reste très, très ouverte. Anish. Pour moi, dans la première course, moi, ça c'est le club, vu que je suis un fan de Liverpool. Et je salue en passant mon ami Vicky Perlin. Et en deuxième position, je mettrai Anton Ruskin. Et vu que Jamie Alioussen s'est même passé une seule première et qu'il m'a retrouvé, pourquoi pas Golden aussi, il a une bonne chance. Et en troisième position, je mettre Bad Dawi. Avec ce deuxième ligne, je pense qu'il parle devant la don. Et peut-être qu'il a fait un pilote ou plus. Et en quatrième position, Opportunity. Et où Jonathan? Moi, ça a coursé en verre autant Franck Verchez. Ce premier sorti, si elle peut entrer, mon écoute scottement en Volatile Energy. Il y a aussi Redland Capitaine et Bug. Il nous connaît sa 3 chevaline confirmée par la suite, après ça, les courses-là. Ce deuxième sorti, si mon trader assez récal, c'est tendé les boîtes. Et après, il prend une dépôt assez vite à mon goût. Mais cette fois, après, il passe une boyer trial, quand il est bien comporté, il a assez vite ce boyer trial. Et mon pensée, pour défendre les courses-là. C'est-à-dire, on va faire Franck Verchez. On va mettre From Barchez à la première place. Derrière nous, place Anton Ruskin, qui pourrait être en premier couloir. Et comme on a remarqué, il y a deux chevaux qui, l'écurie Naran, peuvent faire galoper deux semaines à la suite. C'est Racing for Fun et Bug. Tous les deux, ils rencontrent toutes les courses. Alors, on pensait qu'il peut prendre une décision pour faire Anton Ruskin deux semaines à la suite. En troisième position, on place Badawi. Quand il gagne les courses assez difficiles dans sa première sortie, il me dit pick-up. Et à la quatrième place, Red Bull va aller dans 0,25. On pensait qu'il y a une assez bonne chance. La deuxième course de cette 25e journée pour des routes sur 1600 mètres avec Van Chevaux ayant un benchmark de 36. Et là, c'est le favori logique reste Perplexing de Grigat Zedar. Le rising star de cette écurie, Perplexing d'ailleurs qui domine Kings County la dernière fois.
ces trois dernières sorties donnent raison à l'état-major de l'écurie Gazadar après une critique contre le jockey Jamie Thériault, sa prestation dans les courses qu'il s'y monte sa course là, quand ce dernier monte ici au champ de Mars. Perplexing, c'est définitivement un coursier très prometteur qui peut gravir des échelons, qui peut monter en puissance au fil des courses, au fil des galops. Mardi, Galogajon trouve le travail à l'extérieur de Soweto Moon. Il travaille avec une aisance déconcertante entre les poteaux 400 jusqu'aux 1000 mètres, c'est-à-dire en montée, confirmant ainsi sa superbe forme du moment. Pas peu difficile pronostic contre lui, pour mettre Perplexing à la première place, derrière lui pour placer Swinging Captain, qui veut définitivement mieux lorsqu'il a démontré la dernière fois, sa course là, retrouve la forme avec l'arrivée de l'été. Attention à Swinging Captain, il y en a aussi Tweak the Wind. Avec ce premier année, il peut gagner des courses faciles, il peut gagner des courses tranquilles, il peut viser une place dans les combinaisons. Et pour compléter le quartet, je vais le 1, Chester's Wish, mais mon favori reste Perplexing. Anish. Pour moi, mon papa, comme pareil que moi, Perplexing en première place. Deuxième place, Twig domine avec ce premier lit. Et la bonne forme entre Rama et Pretend Baby, ça fait un bon pays exactement. Il entend gagner toutes les semaines, presque toutes les semaines. Et en troisième position, on met Swinging Captain. Et quatrième position, on met Greater Power parce que Stephen Dillis Chester Rich pour un Greater Power. C'est moi, mon quatre premier exactement. Je l'attends. Bon, c'est assez difficile pour nous contre Perplexing dans les courses là. Deuxième place pour mettre Twig the Wind avec son premier couloir et Ramoncel qui est en confiance. En troisième position, Swinging Captain et pour compléter mon quartet, Chester's Wish. Maintenant, nous analysons cette troisième course de cette 25e journée qui vous déroule sur 1850 mètres. Côté là, nous vous trouvons l'autre match entre Toanui et Bypass. Tu connais la dernière fois, Toanui qui remporte le succès et au grand bonheur de Pravin Nagadou qui croit fermement ses chances. Mais attention, ça joue là, Bypass prend un départ quelconque, il gagne une course relativement difficile. Il même fait un slalom à l'entame de la ligne droite finale, quand même ça n'est pas une démérité. Il fait une performance très très honorable. Attention à Bypass qui donne une forme très très appréciable. Toanui, last time winner. Il s'est blessé la semaine dernière, son entraîneur Injuzli par rapport à ce travail, ce spurt de jeudi, il a décidé pour aligner en course. Coursier là paraît une remise de sa petite blessure là. Toanui, c'est un coursier qui dévoile un bon potentiel la dernière fois, mais il a respecté lui. Bypass Toanui, pour compléter le tiercé, on met Barack Lavan, même sur 1850 mètres pour la première fois. Attention à ce coursier qui est en grande forme. Et on a aussi dans les courses là, et le 1, West Coast Warrior, qui peut très à l'aise sur le parcours du jour. Vous pensez, avec deux courses dans les jambes, attention à ce coursier. Pas oublier sa première sortie, pour qu'il dévoile un bon potentiel. Attention à ce coursier. Anish. Pour moi, mon vainqueur de cette épreuve sera West Coast Warrior, PDC en catégorie. Et cette fois-ci, sans les blinkers avec les side blinkers, vous pensez, les plus gagner. Et en deuxième position, vous mettez Barack Lavan. Troisième position, Toanui. Et Bypass en quatrième position. Jonathan. Moi, je fais mon favori de la West Coast Warrior. Comme on a dit, c'est la PDC en classe. Et il décide pour retirer Blinkers avec lui. Si bien galopé sur la première sortie, deuxième sortie, c'est assez difficile. Il gagne pas encore assez difficile. Là, je pense que c'est 1850 mètres. Il a goûté la victoire. Deuxième place, je mets Bypass. Je pense qu'il profite de ça 2 kilos d'avantage qu'il peut y avoir cette semaine. Troisième place, Toanui qui peut bien placer. Et quatrième place, je vous demande Manchester Fils, regardez bien, non résistant parce qu'il n'y a pas de mauvais des courses, mais avant ça, j'ai bien galopé face à Kovloïti, Rap Attack et Orange Tractor. Maintenant, nous dirigeons vers la quatrième course de cette 25e journée qui vous déroule sur 1500 mètres. Côté là, peut-être nous dirigeons vers un duel, vers un match entre Yankee Doodle Dandy et Ouzo. Match à Stackhouse, Wandermeerway. Yankee Doodle Dandy, sur 1650 mètres la dernière fois. Et pas de surprise, ni d'imposition comme prévu, et dans un beau style. Vous pensez, moi, personnellement, que les 1500 mètres encore meilleurs pour lui. Coursier là, de maintenir sa bonne forme. Il trouve ce travail de mardi en compagnie de Sky High Flyer, continue de démontrer qu'il est de maintenir sa belle forme là, qu'il est bien encaissé sur les courses là. Et il n'est pas étonnant, trouve lui continuer sur sa belle série. Il pourrait rester un gros morceau, même si sur la route, il peut y avoir un certain Ouzo qui peut monter en puissance lui aussi au fil de ce ban, les courses qu'il peut engager. Ouzo, lui aussi, dans une superbe forme. Mardi, quand il travaille en solitaire, il montre qu'il n'est même légèrement progressé par rapport à ce dernier sortie. C'est un coursier qui a une tendance versée en ligne droite, mais qui a une entente parfaite entre lui et le jockey Vandermeerway. C'est là que vous devant dans les courses là, nous prévoit qu'il promissory poil devant dans les courses là. C'est lui le seul frontrunner patenté de cette course, et il se peut qu'Ouzo essaye de trouver une place juste derrière et
promissory et pourquoi pas gagner le first round sur Yankee de lundi. Moi, je peux prévoir un match assez serré entre Yankee de lundi et Uzo. DSA de Groussi, là, on va mettre promissory et un degré moyen pour mettre bien sûr le bon finisseur Chambamen. Et je me tourne moi maintenant vers Anish pour ce bonne combinaison. Et pour moi, mon tour vainqueur là-dedans, c'est Uzo. Et je trouve l'équipe pour mieux passer que Yankee de lundi. Mais ce sera une fine moche. C'est un entraîneur là pour la victoire. Et en troisième position, on met Promissory. Et Jambamena en quatrième position, vu qu'il peut avoir un train assez soutenu dans l'épreuve. Et pour finir, le côté. Je l'entends. Moi, on va prendre un outsider dans les courses là, Winter's Coming. Okay. Parce que quand on est sur les premières courses 2018, sa cheval là, chaque fois on a tiré pour lui au départ, tu dois pas te back. Et à tous les courses, il finit bien. Il finit à deux longueurs de Split the Breeze, tous les deux fois. Et après ces trois prochaines courses, je trouvais qu'à chaque fois, on a fait bon silo au départ et il n'est pas venu en ligne droite. Je pensais que si on avait cette tactique et drop yard, pas bon silo, il est capable vraiment créer la surprise. À la deuxième place, je vais mettre Uzo qui peut tranquille, qui peut casser sur les bords avec ce quatrième nid. Et à la troisième place, Yankee Doodle Dandy. Et quatrième place, Promissory qui cave tente le coup à l'avant. La cinquième course de cette 25e journée paraît très très ouverte. Dans cette course-là, circonstances sur les premiers 100 mètres, voire 200 mètres, pour très important. Voici dans les gros sens, on a Argo Solo qui reste l'autre. Une victoire. C'est un cheval qui adore galop devant. Il y a un galopeur, il y a un natural galopeur. S'il retrouve lui, né au vent, avec Kiken, plus rapide à son intérieur, ça cause lui et ben, le problème. Quand on guette les courses, on trouve avec ce cinquième nid, à son intérieur, il y a un certain Ice Run, qui est très rapide au départ lui aussi. Est-ce qu'il va mettre devant Ice Run? C'est la première question qu'il nous pose, nous. Parce que Ice Run, lui aussi, c'est un coursier très très rapide. Il ne faut pas croire qu'il possède la corde facilement. Il pourrait dans le devant. Donc, dans une quatre figures pareilles, on parle pour une finissière d'ailleurs. Et les courses paraissent très très ouvertes. Nous avons Racing for Fun, qui malheureusement ne vient ni. Quand il trouve lui, dans les courses avec sa 9e ni, avec les false rails, sa 4 mètres, est-ce qu'il n'est pas pour gagner les courses difficiles dans les PCR? Si je fais drop complètement à l'arrière, est-ce qu'il n'est pas pour venir trop tard? Sinon, il n'est pas envie d'être le meilleur finisseur de cette course. Seul gros problème pour Racing for Fun, c'est sa 9e ligne. Maintenant, Ginger Bradman, nous tout connaît la dernière fois. Personne n'a pas expecté à le devant avec la présence d'Independence et de Belenos. Mais ce jockey, il va aussi, il a le devant. Il est bien keen dans les courses. Malgré qu'il ait tiré un peu dans les courses, vous remarquez qu'il ait démarré un petit peu tôt. Au bout de 500 mètres, il finit à aller. Et il est écrasé et à mini droite. Sa course est là. Si le train est très rapide, ce jockey. Aliosen réussit 7 lits. Attention à lui, c'est un coursier qui peut terminer très très fort en ligne droite. Nous avons aussi Malak El Moulouk qui travaille très très bien mardi matin. Sa coursier là paraît il pas loin de son meilleur niveau. Attention à ce coursier qui est capable de toujours cause la surprise. Et mon point inclure dans les 4 premiers, Noah Zork de l'écurie Pedro, un coursier qui peut venir après repos, un coursier qui peut démontrer une régularité cette année-là. C'est un coursier qui. Il va suivre proche du pas ou même en midfield avant qu'il termine faux en ligne droite. Attention à lui, il va toujours très bien faire, surtout si les gamins tirent son sens favorable. On répète Zot, les 150 voire 200 premiers mètres pour très déterminant quant aux chances de Argo Solo qui a un certain ice run à son intérieur qui peut peut-être être le leader de la course. Anish. Pour moi, je donne vainqueur là dans Ginger Bradman. Et je pense que la dernière fois, il a fait mieux que la 4e place. Et en 2e position, on met Racing for Fun. Je trouvais Tristan Godin est extrêmement bon au man sera finisseur. En 3e position, Orgun Solo. Et 4e place, un petit outsider, Orgun, qui rebuffera au petit soin de l'entraînement le matin. Je l'attends. Et moi, dans ce cas-là, je me trouvais pour une entraîne, je pense, circonstances pour Malak El Moulouk. La dernière fois, Lissi White, Racing for Fun, Chigoda sur l'extérieur, même ça, il finit à peu près de longueur avec Racing for Fun, là, avec la 4e ni. Bon, si vous gagnez des bords assez faciles et il va manifester ce finish en ligne droite. Dernier place Racing for Fun, malgré ce 9e couloir, c'est un coursier qui est tout le temps là, qui est régulier. À la 3e place, pour mettre Ice Run, vous pensez même un Argo Solo pour y aller devant. Et d'habitude, il y a un cheval qui est tout le temps à le vite. Vous ne pensez pas qu'il y a Argo Solo pour qu'il y ait une fatigue. Et à la 4e place, vous mettez Noah Zork. Maintenant, nous tournons vers la 7e course de cette 25e journée qui vous déroule sur 1400 mètres avec Van Chauveau et un benchmark de 31. Dans cette course-là, les points intéressants suivent Phoenix Rising qui peut venir sur sa fraîcheur. C'est un coursier que vous remarquez son entraîneur, une sans un petit peu équipant avec lui.
retire les blinkers. Prenant sur ça les blinkers, puis mettre un tongue tie pour la première fois. C'est un coursier qui content faire bien quand il est fraîche. On rappelle toujours, ce premier sorti sur notre sol, ce coursier-là, il a un certain potentiel. Si les gamins tiennent conscience favorable, vu qu'il ne peut prévoir, prenant pas dans les courses-là, attention à Phoenix Rising. Bien aussi respecter le 1 Captain Most de Gris Pedro, un coursier qui il a démontré qu'il est énormément de qualité, il a remporté une victoire quelques temps de cela, il est placé par la suite avec une deuxième ligne, c'est sûr qu'il va gagner des courses tranquilles. Dépend un petit peu aussi son comportement dans les boîtes, il montrait un petit peu difficile et la dernière fois. Et dans les courses, ça, mon point cœur dans les combinaisons, le TSC, un nouveau, et Chocaolic, un coursier qui gagne l'entraînement bien méthodique, un entraînement et bien dosé, vous pensez, il n'est pas pour loin de la vérité, il est capable de cause la surprise. Et vous complétez le quartet, vous mettez le 4. Wow, Holiday, un coursier qui panne l'espoir insensible mardi lors de ce galop, quand il dévoile un bon progrès très évident. Anish. Moi, là, dans mon point de point, victoire de Captain Boss, je pense que le club a le devant. Et Captain Boss passe de lui. Et en deuxième position, Phoenix Rising. Et je pense qu'avec ce layoff qui a gagné, je pense qu'il va faire un bon les courses. En troisième position, on met Wow Holidays. Et en quatrième position, Midnight Raker. Et Jonathan? Moi, ça écoute ça, mon bien content Wow Holiday. La dernière fois, il finit en longueur avec In Your Dream et Wavebreaker bien galopé la dernière fois face à un 5 Genesis. Là, il finit loin pour coupler approprié pour lui, 1450 mètres, pour une entrée dans les courses là. Et s'il est resté placé, je pense qu'il est capable de faire figure de vainqueur. Derrière, il me place Captain Moss qui prend un pan meilleur départ la dernière fois. Là, il peut revenir avec deuxième couloir. S'il réussit, ça veut dire soit il suit derrière le clos, soit il peut aller devant le clos. Au bon, pour bien placer dans les courses là. À la troisième place, Phoenix Rising. Et à la quatrième place, pour mettre Midnight Oracle. Maintenant, la dernière course de cette 25e journée. Nous prenons un chevaux, donnant 10 chevaux qui pour mes yeux sur 1600 mètres. Dans les courses là, vous remarquez qu'il y a Silver Rock. Et définitivement, c'est un cheval à craindre. Silver Rock, c'est un cheval qui nous démontrait qu'il n'est pas loin de son meilleur niveau. Ici, il y a un break, ici, il a fait une rééducation par rapport à ce comportement dans stall. Quand il retournait, il démontrait qu'il n'a s'agit, qu'il est bien calmé. Et vous remarquez la dernière fois, il fait son mieux. Malgré un parcours un peu difficile, il n'est pas si démérité, il prend une bonne deuxième place. Silver Rock, définitivement, prenant ce chance, prenant ce mot à dire dans la dernière. Au départ, écartativement, Carson City, qui est très valable. Dans 0,26, vous connaissez les courses qu'il y fait avec Rama la dernière fois, il fallait cause une surprise. Mais donc, dans 0,26, il est très valable. Attention à lui. Mais non, aussi le 4, The Byzantine, du cru Patrick Mervin, un coursier. Regarde bien sa première sortie sur notre sol. Il n'est pas fini loin du vainqueur. C'est un coursier qui profite énormément de sa première sortie-là, The Byzantine, avec l'allongement de parcours par 100 mètres, 600 mètres à son avantage. Attention à lui. Et pour compléter le quartet dans les courses, on va mettre le 5, Uncle JB, de l'écurie Cherish Narang. Uncle JB, un coursier qui m'a pensé avec un brin de chance, ce qui a fini ouvert ce compteur au champ de Mars. C'est un cheval qui, définitivement, à ce niveau, dans 0,26, des caves toujours émergé. Anish. Pour la dernière course, on va mettre d'abord Zintan en première position. Et avec son premier ligne, avec le blinkers qui nous a mis pour la première fois, je pensais qu'il va faire pilote push. En deuxième position, on va mettre Silver Rock. En troisième position, Uncle JB. Et en quatrième position, Valor. Je l'entends. Et moi, ça écoute ça, mon fameux favori Silver Rock. On s'est dit, sur Silverfield, s'il prend un bon départ, il peut difficile à battre. Derrière, il me place le Byzantine, il peut gagner le premier couloir avec les blinkers cette fois-ci. Il peut bien placer. En troisième position, on met Zen Zero qui vient galoper face à Red Dead Captain. Quand votre pensée, il fait un peu trop d'efforts en début de parcours. Quand tu peux faire, c'est un grand travail. Et après, il y a la quatrième place pour mettre Uncle JB, un cheval qui peut faire plus en l'eau 1850 mètres, 1600 mètres, mais je pense toujours penser qu'il y a une chance dans les courses. Là. Voilà, nous faisons le tour de cette journée, quand nous analysons les différentes courses au programme. Et donc, bien sûr, nous faisons un tour nous vers le banquier de la journée. Moi, je suis bien content de Perplexing et Kings County qui me pensaient vers le Top Prince of the Day. Même si nous connaissons pas l'attitude de course, mais le programme, il paraît que ça deux courses là part avec de très bonnes chances. Mon outsider, ce que je voulais demander à Manchester suivre, c'est Opportunity, surtout après sa prestation avec Sunil Bandou la dernière fois. Et le nouveau, dans la 7e, Chocaolic de l'écurie Patrick Mervin, un coursier qui est bien assimilé sur Bangalo, un coursier qui paraît fin prêt pour ses débuts. Même sur la ligne extérieure, il y a un bon outsider. Anish, qui est banker et où va le bet pour moi, mon banker, on a deux bankers, c'est Gingerbread Man et West Coast Warrior.
Et pour un outsider, la dernière épreuve, il y a un reste de membres qui me vient prendre avec Alaham. Donc, on ne sait pas, tu veux faire attention à Alaham. Je l'attends. Comme Benke, on fait appel avec Simo Benke et From VHS. Bon, on sait si Récial devant, il peut difficile à battre. Et comme Value Bet, vous pouvez dire Winter's Coming. Maintenant, on me laisse le mot de la fin à vous, Jonathan. Voilà, première participation de l'émission sur les courses. J'espère à l'avenir, Morgan You à mes côtés. C'est pour un grand plaisir de retrouver vous. Et nous là pour encourager Ben John Tierfis. Donc nous là pour encourager et Vin partage de petites connaissances avec nous sur le plateau. Et donc, me laisse le mot de la fin. Et tout d'abord, je tiens à remercier Enzo Carosa. Qui vraiment, grâce à lui, comment dire, mon retrouvement, le plateau sur les courses. Et on a aussi Fabrice Lejeune qui. Un camarade avec moi qui nous a checké aux courses qui vient avec moi et aussi Just Racing, côté moi administrateur et moi un camarade des expéditeurs qui tout le temps nous a checké, tout le temps nous a checké ensemble, nous partageons une vraie amitié et c'est ça. Et moi remercie aussi Santos qui a accepté l'invitation, qui invite moi pour cette émission. Yannick. Et moi remercie vous en premier et moi fais un salut à ma maman qui c'est grâce à elle qui nous connaît. Et par rapport à ça, je fais un salut à tous mes collègues administrateurs de Fans of Turf Plus et ainsi Race Turf News. Du coup, c'est quelque chose d'extraordinaire. La maman d'Anish Boutia, et nous faisons une essence parce qu'il est venu une guided visit. Et s'il remporte une guided visit, qui nous chauffe, il a la chance pour le laboratoire, photo finish, la chambre des commissaires, fait des tours sur les cousins 4x4. Et c'est par là qu'il réussit, venir là comme invité au plateau. Et dans l'émission Turf Plus. Voilà, c'est ça la beauté de ce sport aussi, que nous permet de nous joindre, nous, mon camarade Tierfis, que nous partageons l'idée. Et à chaque fois, mon diazote, nous tout est un droit, nous l'opinion, nous tout est un droit, pas d'accord avec certaines affaires, mais une façon qui nous exprime, nous, surtout sur les réseaux sociaux. Nous ne gagnerons pas d'accord avec un camarade, nous ne gagnerons pas d'accord avec une opinion, nous ne gagnerons pas d'accord avec une affaire qui nous passait dans les courses, mais chaque fois, nous gagnerons, exprime-nous. Mais le mieux, c'est qu'il nous exprime nous d'une façon très très civilisée, parce qu'il y a Advent Navedé, du tout. Nous sommes des passionnés, nous comptons ce sport-là, et quelque part, si nous comptons ce sport-là, nous respectons ce sport-là, nous devons respecter aussi le monde prochain, et c'est là qui permet de nous avancer dans une attitude très positive. Sur ce, merci à mes deux invités, merci à Shaquille à la technique. En attendant la 26e journée, vous êtes rendez-vous dans l'émission Turf Plus vendredi soir de 19h à 20h pour d'autres infos, les training news et bien sûr, nous pouvons venir en plein et en grand sur les actualités. Sur ce, merci et à très bientôt.